le droit de manger ça? Normalement non. Non, ça fait pas de mal. Il mange... Ça fait pas de mal. Il en mange pas hors caméra, tu vois. Ah. Tu t'autorises à quoi en petit écart comme ça? Dans ces séquences-là de préparation. Là, aucun écart. Non. Aucun écart. Ouais. Bon, là, ce sera tout pour aujourd'hui. Ouais. Non, mais ça, sérieux, c'est la petite. Gourmandise. Le petit plaisir de la journée. La petite soirée. Ouais. Important de ma carrière pour le moment, donc il y a beaucoup d'enjeux dans ce combat. Il y a une place 5e WBO mondial, une 8e aussi IBF mondial, et aussi c'est comment dire, c'est ce combat là qui va m'ouvrir beaucoup de portes, des portes à peut-être un championnat du monde très très bientôt. Donc j'espère fin 2016, si je gagne ce combat, c'est la porte ouverte presque à tout, tu vois. Le gars est classé 26e mondial. On sait très bien que les poids welter, déjà, c'est une catégorie, c'est l'une des catégories les plus dures dans le monde. Et c'est l'une des catégories aussi où il y a vraiment beaucoup d'argent. Donc, je pense, voilà, c'est ce combat-là qui va déterminer la suite. Tu te dis pas, là, il se joue tellement de choses pour toi, genre qu'il faut pas que tu te rates sur ce combat-là? Je pense pas à ça, tu sais, je me dis qu'il faut que je donne le meilleur de moi-même et que, ouais. Voilà, j'ai pas envie de... J'y pense pas en fait. C'est juste le fait de regarder mon adversaire boxer en vidéo, ça c'est le genre de truc qui me fait un peu stresser. Mais c'est pour ça que je regarde jamais mes adversaires. Ah ouais ? Je demande à mes entraîneurs et mes proches de regarder pour me dire ce qu'ils en pensent. Et moi je leur fais confiance. Et c'est comme ça que ça marche. C'est ça, vraiment ça. Ça a toujours été comme ça. Jamais tu vas te faire. C'est rare, très genre rare. Genre t'es sur ton. Je regarde vite fait. Je regarde vite fait. Mais vraiment, genre le combat il dure une heure. Je vais avancer très très vite. Je vais juste voir des petits passages de 15-20 secondes, tac tac tac. Je dis ok, je vois à peu près. Ok. Tu sais, quand t'es boxeur, il t'en suffit de très peu pour savoir ce qu'il fait le gars. Ouais. Parfois t'es devant ton ordi et y'a pas des moments où tu dis vas-y, je vais taper et tu te retiens, genre. C'est quoi, des fois, je suis en train de regarder ma série tranquille. Hey, je te jure, j'ouvre une autre page. Je dis tiens, je vais regarder. Je sais même pas, je tape mon nom comme ça et après je regarde. Je regarde un peu, après je dis tiens, je vais regarder ce qu'il donne ce gars, tu vois. Je regarde après, bon vas-y, laisse tomber, je suis en train de regarder ma série, je suis tranquille au calme, je suis en sueur, on dirait que j'ai fait un footing. Non mais je te jure, c'est vrai, c'est impressionnant. Et je pense aussi c'est parce que tu tiens tellement à ta carrière que t'es comme ça. Tu nous présentes la personne qui est à côté de toi, qui t'accompagne? Yaya? Ouais. Ah Yaya, c'est... J'en ai des choses à dire, c'est... On s'est connus, j'avais 8 ans, je viens de commencer la boxe, j'ai commencé la boxe d'ailleurs à 8 ans et on s'est connus comme ça et c'est quelqu'un qui me conseille dans la vie de tous les jours par rapport, pas forcément au niveau de la boxe, dans tout ce que j'entreprends et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que il sait qu'il a beaucoup d'expérience et j'écoute beaucoup ses conseils. La boxe en professionnel, ça gère round par round, ça gère pas tout le combat. Lui, il arrive à gérer round par round. S'il arrive au coin, il récupère assez rapidement, il est assez lucide. Il comprend très vite, il voit tout. L'œil aussi a guéri. Donc il va très vite, donc voilà. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas aussi à... Les boxeurs, ils n'arrivent pas trop à le cerner parce qu'il change radicalement de boxe, il s'adapte très très vite. C'est ça un bon boxeur en fait. Quelqu'un qui s'adapte à l'autre. Lui, c'est pas un boxeur bourru, c'est un boxeur qui s'est adapté à son adversaire. On prend pas l'ascenseur. Moi jamais. J'ai des gens qui sont faits. C'est sa mère, il va se faire. Prochain camp pour mon prochain combat.
une heure et demie bien, mais tu sais, en fait, tu sais, il y a des gens qui disent ouais, je m'entraîne 2 heures, mais 2 heures à quel rythme? Ah, tu vas voir le rythme. C'est quand tu, quand tu travailles en explosivité, tu mets de la puissance, c'est fatigant de ouf. Et c'est ça qui est dur. En boxe, tu sais, le tout, c'est pas d'avoir la condition physique. Faut l'avoir, la condition physique. Mais c'est savoir, le top, c'est de savoir changer de rythme quand tu veux dans le combat. C'est ça qui est dur. C'est pour ça que beaucoup de boxeurs travaillent sur les changements de rythme, sur les changements de rythme aussi en course. Tu sais, c'est ça le plus important. C'est comme au foot, c'est pareil. Tu peux être là, jouer, et boum, d'un coup, tu pars en accélération. Pourquoi l'entraînement, c'est là où tu joues là? Tu sens que c'est dans ces moments-là, ouais, que... C'est le combat le plus dur, l'entraînement. Ça, ouais. Après, le combat, c'est cool. Enfin, c'est cool, ouais. Mais voilà. C'est les sacrifices que tu les fais à l'entraînement, pas en combat. C'est pour ça que toi, tu me disais, on va parler tout à l'heure, que tu kiffes Cristiano, ouais, que Messi. Ouais, parce que c'est un travailleur. Ça se sent, ça? Ça se voit. T'as vu, le mec, c'est une armoire. C'est une armoire physiquement et... Il est jamais blessé, le mec. C'est vrai ou pas? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le... Moi aussi, Dieu merci, je me suis jamais blessé, tu vois. Et ça, c'est le sérieux, c'est plein de choses. De toute façon, c'est les petits détails qui font la différence. Hein. Allez, Ahmed, 7! Un mix 5, t'as la mix 5 là. Ouais. Allez, 7 Ahmed. Ça va vite, c'est bien ça. La droite elle est puissante, elle a fait mal la droite, c'est bien ça. Toi qui as vu beaucoup de boxeurs passer dans cette salle, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qu'Ahmed il a de particulier par rapport aux autres? Il est rassurant, Ahmed. Il a une certaine assurance. Ça veut dire un boxeur comme Ahmed, c'est rassurant parce qu'il te montre qu'il est prêt. Une qualité que son adversaire a, mais que Ahmed a aussi, okay, mais que Ahmed ne fait pas souvent, c'est d'avancer. Okay. C'est Ahmed qui avance. Ahmed l'a par contre cette qualité. Alors Ahmed il va devoir être confronté à un boxeur qui avance et donc dans la contrainte d'imposer sa force et de bouger derrière et de le contrer. Tu me feras 2 blocages derrière. Okay. Du rythme. Top. Allez c'est parti. On descend. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. D'accord, 5. Ça sera ça. 5 et 2 blocages. Je suis pas un vantard malgré ce que les gens pensent. Pourquoi les gens pensent que t'es un vantard? Ouais, parce que je sais pas, c'est peut-être par rapport à ma physionomie ou je sais pas comment je suis, peut-être physiquement. Je suis un peu beaucoup la mode et tout, je connais du monde, etc. Tu sais, les gens ils disent qu'ils se racontent, alors faut me connaître, tu sais. Comme on dit, on juge pas un livre à sa couverture. Faut d'abord le lire. Même moi c'est pareil. Je suis pas quelqu'un qui me raconte, mais voilà. C'est vrai que j'ai toujours été un peu dans la lumière et tout. Et voilà. C'est là-bas quand tu seras à Sydney. Ouais. Tu vas repenser un peu aux gens de Dolnay qui étaient là à t'encourager, à donner de l'amour un peu. Je sais pas, je vais penser à tout le monde, mais tu sais, je vais tout d'abord penser à moi-même et à ma famille surtout parce que. J'ai pas fait tout ce sacrifice comme je disais tout à l'heure pour rien, tu vois. J'ai dû arrêter mes cours en terminale ES
Et voilà, j'ai sacrifié vraiment beaucoup de choses pour pouvoir en arriver là. Et je compte pas m'en arrêter là. Quand j'ai fait mon premier championnat de l'Union Européenne, quand ils m'ont appelé pour rentrer sur le ring, je te jure, je suis arrivé, j'étais dans le couloir, juste avant la porte de sortie. Et je vois ma mère, j'étais un demi-tour. C'est vrai ? J'ai fait demi-tour, j'ai pleuré un peu et tout, ça m'a foutu les boules un peu. Et après, vas-y, je me suis motivé, je suis parti. Bah ouais, c'est pas, tu sais, c'est... Après, je sais pas je connais pas les relations de tout le monde avec leurs parents, tu vois, mais moi, personnellement, c'est super important. Ouais. Je suis mouillé un peu, donc peut-être 69-9. Ouais. C'est cool. Ah, ça va. Tu peux manger une salade. Une bonne salade. À 25 ans, j'aurais fait tous les continents. C'est cool, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas mal. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Asie. Ouais. Thaïlande. Non. Ouais. Thaïlande. Mais j'ai envie d'aller au Japon là, cette année. Enfin, j'ai envie d'aller au Japon et au Brésil cette année. Et... Non, vacances. Ah ouais. Vacances, on n'a pas de vacances. Ah. Nous, on parle pas de vacances, on parle que de l'esclat. Ouais. Ouais, parce qu'après celui-ci, t'as combien de temps, t'as quoi comme temps de récup? Tu combats pas pendant 4-5 mois? Ça dépend, peut-être 3 mois. Et la prépa, elle a été dure? Très dure, ouais. Tu relâches, c'est à partir d'aujourd'hui que tu relâches, là? Je ne peux pas parler. Non, ouais. On a combien, là, en température? Là, on est à moins 150. Combien il reste? La moitié, 30. Allez. Et ouais, du coup, il y a beaucoup de combattants là-bas au States. C'est que j'ai des jambes, mais elles sont toutes alisées. Ouais, c'est normal. C'était plein de lactiques. Ouais. C'est bien, ça va être hyper efficace. Ah. Elle s'est ouverte. Vas-y, vas-y. Ouais. Plus de jambes. En fait, je crois que c'est tout le lactique que j'ai accumulé, tu vois. Ouais. C'est redescendu. Et du coup, j'en avais grave. Ouais. Tu dois être à combien? Non, moins de 66, 800. Mais là, j'ai un peu de temps, j'ai 3 semaines. Avant celui-là, nickel sur le côté. Nickel. Faut que je pars à 68,5 ici. 68,5, 68. Comme ça, j'ai 1,5 kg et 1 kg à perdre. Ah, ça va le faire. Ouais. Pas inquiet, toujours pas inquiet. Non. Bon, c'est bien. Au contraire, je suis. Hier, la mise de main, elle m'a mis en confiance. Ouais. Ouais. J'ai bien tourné, je fais 10 rounds, tu sais, avec 2 mecs différents, 2 rounds dedans. J'étais bien. Le combat, il a été avancé. Ouais. Combien de on c'est de trous de 4 jours, c'est ça? 4 jours, c'est ça. Ça devait être le 9 à la base et là ils l'ont changé. Ils l'ont dépassé au 5. En fait, par rapport à un sponsor à eux, Burger King, c'est un très gros sponsor, tu vois, pour eux. Et ils ont avancé parce que voilà. En plus, à la base, ils voulaient le faire en Australie, là c'est en Nouvelle-Zélande. Et en fait, le sponsor il a pété un plomb un peu, tu sais. Il leur a dit ouais, comment ça se fait et tout. On vous donne des gros budgets, voilà. Vous le faites en Nouvelle-Zélande, il leur a mis la pression. Du coup, ça reste en Nouvelle-Zélande quand même. Ouais. Ok. Quoi, ça te gêne pas que ce soit avancé? Non. Non. Pas à 3-4 jours près, c'est rien. Mais, pas du genre à t'angoisser pour ça. Non, pas encore. Non, tranquille. T'sais, tu commences à angoisser, tu sais, 3-4 jours avant, tu sais, un petit peu, mais c'est rien. T'sais, un peu de stress. Tout le monde a du stress. Ouais. Ok. Bah c'est bon, ça va être à moins 3 là. Ouais, on va prendre un thé. Prendre le thé. Ça serait quoi toi ta vie idéale? Marié, des enfants, une vie basée autour de la famille et la religion. Tranquille, tu sais. Parce qu'après tu t'éloignes. Mais on sait comment c'est, tu sais. Quand t'as beaucoup d'argent, en général, tu te laisses. Tu penses que ça peut pas te perturber l'oseille? Ça perturbe tout le monde.
personne n'est... cite-moi quelqu'un qui n'est pas perturbé par l'argent. Non mais ça va, en plus moi il y a de quoi faire dans ma catégorie. Après je sais que les mecs sont durs, tu vois, ils sont super forts les mecs. C'est des rebonds. Et mais on, pourquoi pas, on verra. On en parlera dans un an. Et pour tout le reste. Et pour tout le reste, il y a l'auto. J'ai jamais joué au loto ni à l'euro million. Jamais. Moi j'ai pas à t'écouter de tout, s'il te plaît. Je te jure, j'écoute de tout. Ah, bah regarde, écoute bien ma playlist. Hein. Là j'ai mis aléatoire, regarde. Regarde, t'as vu, regarde. Déjà c'est un style différent. Après c'est un autre style encore, regarde. Regarde. J'ai tout. Ah, ça c'est. Tupac, l'un de mes artistes préférés, moi. Ça c'est la playlist du mec qui va à Marbella, ça. Non mais hey, je kiffe grave la house et la deep. Ah bah regarde, tu parles de ça. Il jouait la vie. Charles Aznavour, moi j'aime trop. Tu sais que ça me détend quand je sors de l'entraînement et tout. Quand j'ai des journées stressantes et tout, quand je fais grave la route, je kiffe. Ça me détend. Dans ta famille, on écoute Aznavour un peu ? Non. C'est juste toi. Moi, peut-être moi, mon grand frère, celui-là. Ah, mais ma mère, elle écoute pas de musique, mon père. Mes parents, ils sont graves dans la religion, tu sais. Il a besoin d'être très endurant pour être encore disponible et agressif et tonique, même en fin de combat où il pourra faire la différence. Et donc on axe là-dessus tout le travail d'endurance qui est avec nous en course et le travail de musculation pour qu'on puisse avoir toujours de l'endurance de force tout au long du combat, d'être toujours puissant, rapide et bien solide sur ses appuis. Ça va être une bataille. Une bataille, mais le plus intelligent qui gagnera. Tu penses que c'est toi le plus intelligent ? Entre nous deux ?
pugilistiquement, je pense que c'est moi. Lui, c'est un bourrin un peu, tu sais. Moi, je suis un peu plus fin que lui, déjà, au niveau de ma boxe. Donc, ouais, je pense que je suis plus intelligent que lui. Tu penses que vous allez faire tous les rounds ? Ouais. Je pense, parce qu'il est, il prend beaucoup de coups, mais il est solide. Je vais donner tout ce qu'il y a à donner, et puis revenir avec les ceintures et rendre fier la France et les miens et mes proches.